Et bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce Let's Play de Is Memories of Celestia. Du coup, on s'était laissé donc devant cette statue juste avant la, je pense être la prochaine ville. Je suis pas encore sûre si on y est, mais en tout cas, on arrivera dans la zone proche de la rivière. Donc, on va continuer tranquillement notre petite épopée, voir s'il n'y a pas de nouvelles choses qu'on pourrait apprendre. Allez, amusez-vous bien. Qu'est-ce que j'ai fait encore? やれやれ。 マジかよ。
獣の領域を越えてやってきた君の剣と勇気に敬意を。僕の名前はオズマだ。聖獣スパーダを育てる一族で、一応このセルレイのまとめ役ということになっている。
マジかよ。 アドル。
Ia. Thank you.
Adore-yo. よし。 Oi, oi! Thank you.
Et ce sera pour la prochaine fois. Alors, la prochaine fois, on va donc visiter l'upstream, le haut du fleuve, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas grave du tout. On va visiter ça et découvrir ce qui s'y passe. Je soupçonne l'avion, si on peut appeler ça un avion. Je soupçonne que l'avion, quand il passe au-dessus du nid d'Esparda, les effraie. Et du coup, bah, comme ils sont effrayés, ils sécrètent le poison. Ou bien ils sont attaqués et du coup, bah, effrayés, poison, colère, blablabla. Donc je suppose que c'est ça qui se passe, étant donné que le poison, enfin le fleuve est devenu, la rivière, pardon, est devenu rouge au moment où il y a l'avion qui est passé. Donc je soupçonne que c'est ça. Donc on verra ça la prochaine fois. Je suppose que si on avait commencé par cet endroit, ben, Komodo, on aurait eu à peu près les mêmes dialogues, du coup, en mode t'as encore fait quelque chose, etc. etc. Comment ça, Soulbreak? Attends. Comment? Bref, on verra ça plus tard. Ah non, ok, non, ça c'est le... Oui, ok, d'accord. Je croyais que c'était des trucs de terrain, mais non, on s'est toujours pas cassé les roches et de la forêt. Enfin bref, on verra ça donc la prochaine fois. Je vais m'arrêter là, sinon je vais encore parler toute seule. On verra ça la prochaine fois, en espérant que ça soit un peu plus court. Je m'arrêterai juste avant le donjon, comme ça on fera un épisode du donjon comme avec Komodo. Ou si je vois que l'épisode est beaucoup trop court, on entendra directement le donjon entre temps. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.